Thank you.
C'est quelqu'un comme lui, alléluia, aussi fort que lui, aussi puissant que lui. Et mon bien-aimé, il est en toi, alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Erebo shakara bababa shike erebo ba, erebo saya, quelle grâce, alléluia. Quelle grâce! Erebo shakara baba baba bashite erebo saya era mama 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 erebo shaya. Quand les gens du monde, alléluia, doivent payer, alléluia, iraba shakaya baba, à la recherche de conseils, à la recherche de la consolation. Mais la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est là pour toi, le consolateur, alléluia. Erebo shaya baba 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 baba. Reconnaissance, mon bien-aimé. Il t'a soutenu. Il a essuyé tes larmes. Oh, adore ce Dieu-là. Élève-le, mon bien-aimé. Alléluia. Il a dit que ni l'or, ni l'argent, alléluia, ne peut prendre ton cœur. Pas les choses de la terre. Doit mettre la louange dans ta bouche. Mais connaître l'Éternel, connaître celui, alléluia, qui t'a désiré dans son cœur et qui t'a amené sur cette terre. Voilà le sujet de louange. Voilà le sujet de reconnaissance. Alléluia. Il est le Seigneur. Merci pour son Saint-Esprit. Oh, dans ce 21 de puissance, dans ce 21 d'identité de puissance, oh, je veux aider quelqu'un. Tu ne peux pas être puissant, alléluia, si ton cœur est rempli de culpabilité. On va prendre un temps de repentance, un temps de récompense, de repentance. Tu ne peux pas être puissant si ton cœur, alléluia, est attristé, si tu as attristé le Saint-Esprit. Oh, robo shakayara baba baba, viens devant ce Dieu-là, alléluia. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Oh, reba shakara baba baba shekeyerebosaya, viens aux pieds de Jésus. Erereba shakayara baba, demande pardon, alléluia. Eraba shekeyerebosaya, tu es non coupable. Erebo shakakakayerebosaya, il y a eu la croix, mon bien-aimé. Réapproprie-toi la croix, mon bien-aimé. Tu ne peux pas être puissant si tu te vois pécheur, misérable. Alléluia. Viens au pied de Jésus, alléluia, et demande-lui pardon. Il n'y a pas une faute, mon bien-aimé. Il n'y a pas un péché, alléluia, que notre Dieu ne peut pas pardonner. Viens, alléluia. Ereba shakayara baba baba. Des meurtriers sont rentrés dans le ciel. Iraba shakereba baba 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 baba. Des femmes impures sont rentrées dans le ciel. Mais viens, mon bien-aimé, viens te repentir. Viens te repentir. Ereba shakara baba baba baba. Iraba shakereba saya. Il a dit, ce qui me sépare de toi, c'est le sang dans tes mains. Viens, mon bien-aimé. Vide ton cœur. Erebo shakara baba baba. Ikerebo sandayara bashaya.
Erebasaya rababa, ereke erebosaya. Que l'accusateur ne te fasse pas peur. Oh Rabashake Rebasaya, tu ne pourras pas te tenir devant lui. Rebashakaya Rababa. Irebo Sandaya Rabashaya. Erababa Baba Baba Baba. Viens te repentir. Ribashake Rebosaya. Déverse à Dieu. Alléluia. Erebo Soto Yoroboshaya. Ekaya Rabashaya. Tes faiblesses. Erebo Soto Yoroboshakaya Rababa. Fais comme David. Il a dit que tant qu'il gardait ce péché, il était consumé, mon bien-aimé. Libère-toi. Libère cette faiblesse. Elle ne t'appartient plus. Alléluia. Elle est clouée aux croix. Oh, je rappelle à quelqu'un. La parole de Dieu dit, celui qui croit qu'il n'a pas péché, il se ment à lui-même. Viens libérer. Libère. Si c'est l'orgueil, viens déposer aux pieds de Jésus. Parce que tu veux prendre ton identité de puissante. Le a dit, alléluia, ne tremble pas leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Alléluia. Si c'est ton péché, alléluia, qui te fait reculer devant l'ennemi, ne tremble pas. Il y a quelqu'un qui a pris ton péché, il y a quelqu'un qui a pris ta faiblesse, il a cloué au bois, mon bien-aimé, il y a eu la croix. Cette faute ne t'appartient pas. Cette faute n'est pas ton identité. Il a subi le châtiment ultime afin que tu sois appelée puissante. Il a dit, je t'ordonne d'être puissante. C'est pourquoi ce péché-là ne peut pas te mettre en état de vermisseau. Non, mon bien-aimé, en état de misérable, en état de mendiant, non, en état de stérile, non, non, mon bien-aimé, ce n'est pas ton identité. L'habit de cendre ne t'appartient pas. L'habit de cendre ne t'appartient pas. Irabasaya, il a dit, alléluia, tu es appelé race royale, sacerdoce royal. Repentance, mon bien-aimé. Libère cette faute. Libère la faute. Libère ton péché. Libère ta faiblesse. Tu ne peux pas être puissante devant l'ennemi. Alléluia. Si tu as le fardeau de ton péché, si tu as le fardeau de la culpabilité, non, mon bien-aimé. Refuse de trembler devant l'ennemi. Refuse. Ta faiblesse ne t'identifie pas. Ton péché ne t'identifie pas. Il y a la croix. Il y a la croix. Alléluia. Personne ne reste pareil quand il passe devant la croix, mon bien-aimé. Libère-toi au pied de Jésus. Alléluia. Va confesser ta faiblesse. Parce que ce soir, tu veux te ceinturer. Alléluia. De la ceinture de la parole. Ce soir, tu vas mettre ton armure. Ce soir, tu vas te tenir devant ton ennemi. Et la parole de Dieu dit, nul ne se tiendra devant toi. Cet ennemi ne se tiendra pas devant toi. Il va dire, il va vouloir réclamer quelque chose.
Mais Dieu dira, alléluia, je ne vois aucune faute en lui. Car il a confessé son péché. Et c'est déjà dans la mer de l'oubli devant ton Dieu. Alléluia. Nul ne se tiendra devant toi, mon bien-aimé. Oh, c'est une ordonnance de Dieu. Tu n'as pas eu reçu un esprit de faiblesse. Tu n'as pas eu un esprit de culpabilité. Tu n'as pas eu un esprit de coupable. Non, mon bien-aimé. Dieu refuse cela. Dieu déteste cela. Car il a dit, s'il te voit trembler, il te fera encore plus trembler. Non, mon bien-aimé, alléluia. Tiens-toi devant ton ennemi, alléluia. Et ordonne à cet ennemi, alléluia, de te lâcher. Tu es puissante. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus. Va avec ce nom face à ton ennemi. Il a dit, alléluia, n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Toi et moi, nous ne pouvons pas avoir peur. De la crise économique. Toi et moi, nous ne devons pas avoir peur du temps qui passe. Car il a dit dans sa parole, un jour est comme 1000 jours devant sa présence. Il est alléluia. Le tout à coup de Dieu va te surprendre. Alléluia. Il a son agenda. Il a ses saisons. Va dire alléluia au temps. Mon Père est le maître de temps et des circonstances. Au temps favorable. Au temps favorable. Alléluia. Je mangerai à la table du roi. Oh mon bien-aimé, alléluia. Ne permets pas de trembler devant ton ennemi. Car celui qui est en toi est plus fort. Car celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort. C'est toi qui dois faire trembler l'ennemi. Alléluia. Va lui dire, qui es-tu, grande montagne, devant notre Dieu. Alléluia. Il est celui qui a dit, je fais de la terre le marchepied. Alléluia. Et tes ennemis sont sous mes pieds. Oh rabashekere baba 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 baba. Et rebosakaya rabashaya. Ne donne pas à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Ne donne pas à ton ennemi le pouvoir qu'il n'a plus. Alléluia. Il a été vaincu sur la croix. Oh rebosakaya rabashedere rebosaya. Tu es puissante. Quel que soit ce qui fait pleurer, quel que soit ce qui te fait gémir, la parole de Dieu dit, alléluia, qu'il changera tes larmes en une huile de joie, mon bien-aimé. Et lève-toi et dis-le à ton ennemi, tu ne me feras pas trembler.
Shayarabashaya, car tu es un ennemi vaincu. Tu es un ennemi vaincu. Alléluia. Ererebo sakayarababa. J'ai autorité sur toi. Erebo shakayarababa. Irebo sakayaraba. L'ordonnance t'a été donnée, mon bien-aimé. Erebo shakayarababa. Et il a dit, ni la divinité, ni l'enchantement ne peut se tenir devant toi. Orobo shakayarababa. Alors tiens-toi, mon bien-aimé. Tu as tous les armes entre les mains. Tu as la parole. Alléluia. Tu as ta foi. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Va devant ton ennemi. Erebo shakayarababa. Irebo sakayarabashaya. Et rappelle-lui sa fin. Rappelle-lui qu'il est sous tes pieds. Erebo shakarabababa. Erebo sakayarabababa. Personne ne fera mentir Jésus en toi. Personne ne fera mentir le Dieu Tout-Puissant en toi. Erebo shakayaraba. Irebo sakayarababa. Car il a dit, alléluia, tant qu'il y aura un jour et tant qu'il y aura une nuit, ma parole va s'accomplir. Qui es-tu, alléluia, toi pour venir dire que cette parole ne s'accomplira pas? Oh, rabba shakerebo sataya. Sainte-toi, mon bien-aimé. Saint-terrain, alléluia. Oh, reprends ton identité de puissance. Lève-toi et Saint-terrain. Et rappelle-toi que tu es puissance. Parle à ton âme. Dis, mon âme, alléluia. Ne t'attriste pas, car, alléluia, ce sera comme dans un rêve, dit la parole. Tu verras ta bénédiction. Bénédiction. Erebo shakayarababa. Ouvre tes yeux spirituels et regarde. Alléluia. Car Dieu est fidèle. Erebo shakarabababa. Irebo sotoyorobo shaya. Erebababa. Saint-terrain et ordonne. Et ordonne. Alléluia. Erebo shakayarababa. Dieu n'aime pas les faibles. Car il a dit, il t'a donné à toi un esprit de force. Un esprit de force. Refuse la faiblesse. C'est de l'ennemi. Alléluia. Refuse la faiblesse. Ça n'appartient pas à Christ. Ça n'appartient pas à Christ. Ça n'appartient pas à ton Père. Tu es co-héritier de la force. Tu es co-héritier de la force. Il a dit, on t'appellera la tête et non la queue. Et tu seras en haut et plus jamais en bas. Refuse l'identité que le diable veut te donner. Tu es puissante. Il a dit, assujettis la terre. Oh, c'est l'ordonnance que ton Dieu t'a donnée. Sainte-toi, mon bien-aimé. Sainte-toi, alléluia. La parole de Dieu dit, élève-toi. Tu es éclairé. Sur toi, il t'a donné le Saint-Esprit. Sur toi, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas sur les animaux, mon bien-aimé. C'est sur toi que le Saint-Esprit est descendu. Erebo shakayarababa. Une partie de ton Père est en toi. Erebo shakarabababa. Erebo sayarababa. Élève-toi, mon bien-aimé. Le Saint-Esprit est sur toi. Erebo shakayarababa. Avec lui, tu feras des exploits. Avec lui, tu feras des exploits. Oraba shakerebo sandayarabashaya. Erebo babababababa. Erebo shakayarababa. Oh, ne laisse pas Dieu te faire trembler. Ne laisse pas Dieu te faire trembler, mon bien-aimé. Il a dit, si tu ne reconnais pas ma force en toi, je te ferai trembler. Si tu as une attitude de perdant, tu seras perdant. Voilà ce que cette parole dit. Le royaume de Dieu
appartient aux violents, alléluia, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont puissants, alléluia, puissants en gloire, puissants en majesté, parce que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il a vaincu à ton ennemi. Il a vaincu ton célibat, il a vaincu ta maladie, il a vaincu ta stérilité, il a vaincu ton chômage. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas vaincu? Alléluia! Ereba shakaya rababa, erebosaya. Mais c'est à toi de cindre tes reins. C'est à toi de te lever, alléluia, et d'ordonner. Rebo shakaya rababa, iraba sekerebosaya. Cette parole a été donnée à un enfant de 17 ans, à Jérémie, alléluia. À un enfant de 17 ans, il a dit, lève-toi, et sainte-toi, et ne tremble pas devant ce qui te fait pleurer. Ma parole est une parole incorruptible. À fin des fins, elle va rapporter, tu vas moissonner, parce que Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, alléluia, ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit, alléluia, sa main va l'accomplir. Tu moissonneras, mon bien-aimé, tu moissonneras, ma bien-aimée, alléluia, car Dieu n'est redevable à personne. C'est à toi d'ordonner, mon bien-aimé. Hier, c'était à Jérémie, mais aujourd'hui, c'est à toi. C'est toi, mon bien-aimé. Sinon, Dieu va te faire trembler. Sinon, tu vas pleurer en vain. Il n'est pas le Dieu des pleureuses. Il n'est pas le Dieu des gens qui pleurent. Il est le Dieu de ceux qui se tiennent devant la montagne. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de mon Dieu. De celui qui est fidèle, de celui qui ne change pas, de l'ancien des jours, de celui quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Tu es un bon soldat, mon bien-aimé. Oh, combat le bon combat, mon bien-aimé. Que l'ennemi ne tue pas ta foi. Ne mets pas ta foi, alléluia, à côté du temps, mon bien-aimé. Dieu ne marche pas avec le temps. Dieu ne marche pas avec la durée. Mets ta foi dans la parole. Mets ta foi dans la parole. On a dit, alléluia, il est le même hier. Il est le même hier. Aujourd'hui, alléluia, et il y a un demain, et il y a un demain. Si tu ne manges pas, tes enfants mangeront, alléluia, le fruit de ta parole, car il a dit, alléluia, il ne manquera pas devant ma face un successeur. Erebo shakara baba bashi alaba, erebo sakaya alaba. Il y a quelqu'un qui mangera le fruit de mon service. Erebo shakaya alaba, parce que Dieu ne me sera jamais redevable. Erebo shakaya rebesaya, ereba shikaya alaba, erebo sandaya alaba, marara shaya rebesaya. Oh, Rabba Shekere Bosaya, ordonne, mon bien-aimé, Saint-Terrain, ce soir, tu es puissante. Tu es de face. Je te rappelle à un ennemi qui a été déjà vaincu il y a déjà 2000 ans. Le lion de la tribu de Juda est avec toi. Rugis, mon bien-aimé. Rugis, alléluia.
Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité. Tu n'as pas besoin de javelot. Tu n'as pas besoin d'armes. Tu n'as pas besoin, non. Tu as besoin de la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Jésus. Tu as besoin de ce Jésus-là. Pour que ton Goliath tombe. Tu as besoin de ce Jésus-là pour que la tête de Goliath tombe. Tu as l'autorité. Tu as l'autorité, mon bien-aimé. Il ne regarde pas l'apparence, notre Dieu. Il ne regarde pas l'apparence. Hier, c'était à Jérémie à 17 ans. Aujourd'hui, c'est à toi, mon bien-aimé. Il ne regarde pas l'apparence. Il regarde au dépôt dans ton cœur. Il regarde au dépôt au cœur. Qu'est-ce que ce cœur dit? Alléluia. Il est tout puissant, mon Dieu. Il est fidèle. Alléluia. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Voilà ce que l'ennemi va regarder. Voilà ce qui fera fuir. Ce n'est pas ta apparence, c'est le dépôt de la parole dans ton cœur. Que la parole de Dieu soit une flèche ce soir. Que la parole de Dieu soit une flèche. Tire, mon bien-aimé, cette flèche de la parole. Ce soir, montre que tu es puissante. Et va dire à ton ami, il y a un Dieu qui est sur son trône. Il y a un Dieu qui est sur son trône. Et tout va bien. Et sa parole agit encore aujourd'hui. Ni la mort, alléluia, la mort n'a pas pu le retenir. Et quelle est cette situation qui peut arrêter ton Dieu, mon bien-aimé? Refuse d'avoir une attitude de perdant, non. Tu es puissante. Il a dit, alléluia, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible, et je viens te dire, à toi tout est possible, car Dieu vit en toi, alléluia, car celui qui a dit cela, il a dit, je vis en toi, alléluia, aux hommes c'est impossible, mais aux enfants du royaume, tout est possible. Oh Rabba Shakaya Rabba Baba. Erebosakaya Rabashia. Erebosaya. Ah, mon bien-aimé, si tu avais compris, tu aurais acclamé. Alléluia. Car Dieu te dit, alléluia. Aux hommes, c'est impossible. Mais à toi, tout est possible. Car je vis en toi. Celui qui est en toi, alléluia. Il a dit, tout est possible pour toi. Dis seulement. Il a dit, demande seulement. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Il y a des Bartimées ce soir. Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux? À toi, tout est possible. À toi, ma fille, tout est possible. À toi, mon fils, tout est possible. Parce que tu as le nom de Jésus. Car celui qui est en toi est plus fort. Ni l'enchantement, ni la divination ne peut être devant, se tenir devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra, ni les sorciers de ta famille, ni la parole qui a été prononcée dans ton visage. Nul ne se tiendra devant toi, ni le curse qui a été fait, ni la malédiction. Alléluia. Que tu sois dans une bouteille, que tu sois sous une pierre, Dieu te dit, alléluia,
Aux hommes, c'est impossible. Mais à toi, tout est possible. Et Rabba Shaka Yarababa. Et Rebo Sata Yarabba. Et Rebo Shaka Yarababa. Et Rebo Shata Yarababa. Et Rebo Shaka Yarababa. Et Rebo Shata Yarababa. C'est toi, mon bien-aimé. Assez, c'est assez. Et Rebo Shaka Yarababa. Il a dit, parce que tu seras béni, mon nom deviendra grand. Et Rebo Shaka Yarababa. C'est par l'accomplissement des promesses. Alléluia, que sa renommée devient grande. Parce qu'on t'appellera maman. Parce qu'on t'appellera guérie. Parce qu'on t'appellera épouse. Parce qu'on t'appellera chef. Parce que tu t'assoiras parmi les grands. Et Rebo Shaka Yarababa. Parce que ton puits sera plein. Et Rebo Shaka Yarababa. Parce que tu vas posséder ton territoire. Et Rebo Shaka Yarababa. Parce que le 79-79 sortira sur la terre. On nous appellera. Alléluia. Les enfants bénis, alléluia. Et Rebo Shaka Yarababa, puissant mon bien-aimé, puissant en gloire, parce que celui qui est en nous, alléluia, il est le plus fort. Il est le plus fort. Oh mon bien-aimé, prends ton cordeau et mesure. Ne te mesure pas aux gens du monde. Ne te mesure pas avec la règle du monde. Mais mesure-toi avec celle de ton Dieu. Alléluia. Fidèle en gloire. Fidèle. Alléluia. Et Rebo Shaka Yarababa. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Et Rebo Shaka Yarababa. Et Rebo Shaka Yarababa. Il a dit, alléluia, ton opprobre, alléluia, ne passera pas. Oh mon bien-aimé, il ne te laissera pas dans la honte. Et Rebo Shaka Yarababa. Il ne te laissera pas dans la honte. Il ne te laissera pas dans la honte. Car il a dit dans sa parole, Erebo Shaka Yarabashe, Irarabase Kerebo Sakarabasha, Erebo Sanda Yarabashe, Irebo Sando Yorobo Shaka Yarababa, Erebo Saka Yarababa, Erebo Saka Yarababa, Arabashe Kerebo Saya. Oh non, mon bien-aimé, il ne te laissera pas dans la honte. Erebo Shaka Yarabashe. Car tu as un ennemi vaincu. Il a déjà humilié publiquement. Publiquement, alléluia. Cet ennemi a déjà été vaincu. Erebo Sata Yarabashika Yarababa. Erebo Sanda Yarabashea. Erebo Saka Yarababa. Il ne laissera pas dans la honte. Car c'est un vieil homme usé, stérile. Alléluia. Qui a donné naissance. Erebo Shaka Yarababa. Car il y a eu une femme à 99 ans, stérile, ménopausée, qui a eu. Alléluia. Qui a donné, alléluia, la lignée d'où tu es tiré. Oh mon bien-aimé, il ne te laissera pas dans la honte. Ereba Shaka Yarabababa. Erababa Shika Yarababa. Parce qu'un jour, il y a un homme décomposé à l'intérieur d'une tombe. Il a dit, Lazare, sort. Et cet homme est sorti. Il ne te laissera pas dans la honte. Erababa Shaka Yarababa. Hier, Lazare est passé. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Il ne nous laissera pas dans la honte. Il a dit, je me tiens devant ma parole pour l'accomplir. Il va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole. Mais c'est toi, mon bien-aimé. Saint terrain et déclare cette parole comme des obus. Alléluia. Devant ton ennemi, déclare cette parole, ordonne. Il a dit, je t'ordonne d'être puissante, de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne peut te nuire, et rien ne peut te nuire. Il a dit, je fais de mes serviteurs des flèches de feu. Oh mon bien-aimé, où est la flèche de feu ce soir? C'est toi de rein, mon bien-aimé, et ordonne. Ce n'est pas au pasteur d'ordonner pour toi, ce n'est pas au prophète d'ordonner pour toi, ce n'est pas à ta voisine d'ordonner pour toi,
es comme une sauterelle. Oh, ne sois pas comme les autres. Ne sois pas comme les 10 autres. Dieu a dit, parce que tu m'as vu, alléluia, incapable, je te rendrai capable. Oh, alléluia. Où est ceux qui peuvent changer l'eau en vin? Alléluia. Aujourd'hui, où est de ceux qui peuvent changer l'eau en vin? Où est ceux qui peuvent changer 2 pains et 3 poissons en une multitude? Il est le même, il est le même. Mais à toi et à moi d'ordonner, ordonnons, Seigneur, ordonnons, alléluia. Ordonnons, mon bien-aimé, ordonnons, ordonne. Tu connais cet ennemi qui te fait pleurer. Tu connais celui qui te fait mal. Qui t'en est celui qui se moque? Eh, alléluia! On s'est moqué un jour. Et Rebachakayara d'un prophète. Et il a tué les 4 enfants, mon bien-aimé. Parce qu'on se moquait de lui parce qu'il était chauve. Mais toi et moi aujourd'hui, alléluia! On va tuer notre ennemi parce qu'il s'est assez moqué de nous. Eh, Rebachakayara baba. Tu as cette autorité, mon bien-aimé, de commander le feu et que le feu descende sur ton ennemi. Assez de moquerie, assez de moquerie, assez de moquerie. Il est le même, l'ancien des jours est le même, il est le même, il est le même, alléluia. Et Saint-Ouen, mon bien-aimé, Saint-Terrain, alléluia, et ordonne. Et ordonne, Rabashaka Yarababa. Et ordonne, et Rabashike Rabosa Yarababa. Et ordonne, Rabashaka Yarababa. Rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous garder derrière. Ni l'administration, et Rabashaka Yarababa de ce pays. Et Rabashaka Yarababa. Ni les banques de ce pays. Et Rabashaka Yarababa. Ne peut arrêter nos projets. Car la parole de Dieu dit, alléluia, qu'il met même nos ennemis au profit de nos projets. Il met même nos ennemis au profit de nos projets. Et Rabashakayarababa, la ville sera sous nos pieds. Les créanciers seront sous nos pieds. Car Dieu nous a donné cette autorité. Mais c'est à toi de te cindre, terrain. Et ordonne, et ordonne, et ordonne à l'esprit de destruction. Et ordonne à cet esprit de vol, dès que tu as une économie, quelque chose vient ramasser cela. C'est un esprit de vol. Ordonne, ordonne, alléluia. Et ce qui est à toi appartient à Christ. Ce qui est à toi est à lui et non à l'ennemi. Lève-toi, sainte-toi mon bien-aimé. Saint-toi, alléluia. Il a dit dans sa parole, il y aura la différence. Il y aura la différence à ceux qui reconnaissent mon nom. À ceux qui reconnaissent mon nom. Reconnais-tu ce Dieu-là, mon bien-aimé? Alors les choses pour toi doivent être différentes. Et Rabashaka Yarababa, ordonne. Ordonne à cet esprit de te lâcher. Et Rabashaka Yarababa, l'esprit de destruction. Ordonne à cet esprit de vol, non. Et Rabashaka Yarababa, ce qui est à moi est à Christ. Et Rabashaka Yarababa, tu es illégal dans ma maison. Tu es illégal. Et Rabashaka Yarababa, Saint-toi, mon bien-aimé. Saint-Terrain, alléluia. Et Rabashaka Yarababa. Et Rabashaka Yarababa, tu ne seras puissante que quand tu parleras, car il a dit tout ce que tu liras ici sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas ordonner ici, je vais donner l'autorisation au ciel. Oh, si tu n'ordonnes pas, si tu ne parles pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne sais pas tes reins, Dieu ne peut rien faire pour toi. Il a déjà tout accompli. Il a dit sur la croix, tout a été fait. Tu as déjà reçu tes bénédictions. Mon bien-aimé, alléluia. Oh, lève-toi, alléluia. Ne laissons pas l'ennemi nous se moquer de nous. Ne laissons pas, alléluia, lui donner la force qu'il n'a pas.
Ne lui donnons pas la force qu'il n'a pas dans nos vies. Alléluia. Eh, alléluia. Eh, rabashaka ya rababa. Ne lui donnons pas la place qu'il n'a pas. Alléluia. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds. Je te rappelle que tu es assis à la droite du Père dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Il est sous tes pieds. Il est sous tes pieds, alléluia. Retourne-le, alléluia, dans cette fosse-là. Renvoie-le dans cette fosse-là. Quel que soit son nom, alléluia. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de la stérilité. Tu as reçu le nom au-dessus de l'aveuglement. Tu as reçu le nom au-dessus de l'incrédulité. Tu as reçu le nom au-dessus du manque de foi, mon bien-aimé. Oh, alléluia. Rien, alléluia. Possède ton territoire. Possède ton territoire, mes bien-aimés. Possède ton territoire. Alléluia. Possède, alléluia. Ne donnons pas à l'ennemi la place qu'il n'a pas. Le Dieu qui est au centre de toutes choses. Notre Dieu, il est là. Alléluia. Il est là, le Seigneur des Seigneurs. Il est là. Le Dieu des prodiges. Le Dieu des miracles, il est là. Acclame le Dieu qui fait des miracles. Acclame le Dieu. Alléluia. Toute bonne chose vient d'en haut. Ce n'est ni par tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes diplômes. Ce n'est pas par ton argent. Alléluia. Et ceux qui ont l'argent ne peuvent pas acheter la guérison. Et... non, mon bien-aimé. Même si aujourd'hui on peut greffer les cœurs, mais il y a eu un Dieu qui a donné l'intelligence. Et... alléluia. Acclame le Dieu des miracles. Acclame le Dieu des prodiges. Et rabashakaya rababa. Et rabassaya. Ce qui donne ne pourrit pas. Ce qui donne. Et rabashakaya rababa. Et rabassaya. Et rabashika rabassaya. On acclame. Alléluia. Et rabassaya rabashayaba. Et rabassaya rabashia. On va acclamer quelques minutes le roi des rois qui est élevé dans ce lieu. Et on l'acclame avec dignité. On l'acclame debout. Alléluia. Comme un chef d'État qui rentre. Comme le roi des rois. Élevez vos linteaux. Acclamez le Dieu Tout-Puissant avec des cris de joie. Tu connais son nom. Acclame, il est Adonai pour toi. Il est Jéhovah Rapha pour toi. Simplement dire son nom, c'est une prière. Simplement dire son nom, le ciel s'ouvre. Il est El Shaddai, il est Adonai, il est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent ici. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tous tes besoins. Oh mon bien-aimé, acclame, acclame avec dignité. Il est le même. L'ancien des jours est ici. L'ancien des jours est ici. Il y a des gens qui pleurent pour avoir cette grâce que toi et moi nous avons. La parole de Dieu dit que exprès leurs yeux ne voient pas. Exprès leurs oreilles n'entendent pas. Mais à toi et moi, alléluia, on a libre, libre assurance de nous approcher de ce Dieu-là. Oh, alléluia, quelle grâce! Quelle grâce! Ne te fatigue pas, car le jour que tu vas gagner le million, tu vas sauter et acclamer plus fort. Tu as déjà gagné la plus belle chose, que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Que Dieu te connaît comme enfant de Dieu. Que ce Dieu-là te connaît. Alléluia, par ton nom.
Et pour toi, il est capable d'envoyer une légion d'anges, alléluia, pour te défendre. On va prendre un temps pour prier pour le 79-79. 7, le chiffre de la bénédiction. 9, il y a une bénédiction attachée à cela. Ce n'est pas pour rien, alléluia. Acclamons notre Dieu pour ce qu'il va faire. Au 79-79, je veux dire à quelqu'un, alléluia, ne le regarde pas simplement comme les dons que tu donnes, mais regarde-le comme l'édifice où tu vas te marier. Regarde-le comme l'édifice où les enfants vont être présentés. Regarde-le comme l'édifice où des gens viendront dire oui au Seigneur. Regarde-le comme l'édifice où les gens de toutes les nations et de toutes les couleurs viendront et diront, c'est ici que l'Éternel est Dieu. Regarde-le, alléluia, comme la place où les enfants de tes enfants diront, le Dieu de ma mère a bâti ce lieu-là. C'est comme ça que tu dois le voir. Ne le regarde pas simplement avec le 1 000 $ que tu donnes, mais regarde-le pour ce qu'il va devenir. Regarde-le où l'enfant qui est à l'Écodim un jour viendra prêcher sur l'autel. Regarde-le, alléluia, comme la fille qui chante aujourd'hui deviendra le plus grand chantre pour l'Éternel. Voilà comme ça que tu dois regarder le 79-79. Car demain, alléluia, on dira que l'Éternel est sur la montagne et il règne, et il règne, et il règne, et il règne, alléluia. On acclame, alléluia. Merci Seigneur, merci. On acclame, Yerebosheya. Acclame-toi, alléluia. Acclame-toi, alléluia. Car tu es, alléluia. Tu es là aujourd'hui encore. Tu es là aujourd'hui encore. Acclame-le, alléluia. C'est les violents, alléluia, qui restent. Il y a eu des gens qui ont rétrogradé, mon bien-aimé. Mais tu es encore appelé enfant de Dieu. La parole de Dieu dit, la route est longue et difficile. Mais tu as vécu, tu es encore là. Tu es puissant, mon bien-aimé. Notre Dieu a dit, dans le temps de la fin, trouverai-je encore la foi? Oh, si tu es dans ce 21, c'est que tu as la foi, que Dieu est capable encore de faire quelque chose. Oh, ne jette pas ta foi au pourceau. Ne jette pas ta foi au pourceau. Car avant toi, il y a ceux qui ont regardé de loin leur bénédiction. Alléluia. Oh, il y a une perte dans le Seigneur. Si tu as une perte aujourd'hui, c'est un gain dans le Seigneur. C'est un gain dans le Seigneur. Le nom de Jésus est une victoire. Le nom de Jésus peut être une victoire. Alléluia. Une perte dans le monde est un gain dans le Seigneur. Avec Jésus, on n'échoue pas. Avec Jésus, on n'échoue pas. Merci Dieu le Saint-Esprit. Merci pour les 79-79. Merci pour le miracle que tu as accompli. Mante
Il est ton père, mon bien-aimé.
La parole de Dieu dit que si le papa de la chair peut donner des bonnes choses, à plus forte raison lui. Alléluia. Eh, Ababa. Eh, Ababa. Eh, Ababa. Et adore ce Dieu-là, il est là. Il est là, le Dieu qui guérit. Il est là, le Dieu qui sauve. Oh, alléluia. Il est capable d'aller toucher le cœur. Les cœurs de pierre seront transformés ce soir. Les cœurs de pierre seront transformés ce soir. La porte est ouverte. N'endurcis pas ton cœur. Eh, Ababa. Eh, Ababa. Eh, Ababa. Eh, Ababa. Il est là. Eh, Ababa. Eh, Naraba korobosa karaba semanteke naraba kerebes naraba sokorobosa 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 naraba sokorobosa. Oh, je t'invite à déposer ton fardeau au pied de Jésus. Alléluia. Reçois ta bénédiction. Abba est ici. Abba est ici. Le papa de ses enfants est ici. Le papa de ses enfants est ici. Abba. 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 Oh, ce soir, crie plus fort que Bartimée. Crie plus fort que Bartimée. Crie plus fort que Bartimée. Abba. 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 Appelle ton père. Appelle ton père ce soir. Ce soir, la grâce de Dieu est descendue. Ce soir, la grâce de Dieu est descendue. Ce soir, sa faveur est descendue. Abba. 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 Abba est ici. Abba est ici. Il va toucher. Il touche. Et Abba Shaka ya Abba. Et il touche. Et Abba Shaka ya Abba 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 Abba. Et Abba Shaka ya Abba 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 Abba. Il est ton papa, mon bien-aimé. N'aie pas honte. N'aie pas honte de lui demander. N'aie pas honte de lui dire, papa, je suis fatigué. Abba. Abba. Appelle papa. Eh, Abba. Eh, Abba. Eh, Abba. Abba. Appelle-le, mon bien-aimé. Il est là. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Et Rabashakala, Baba, 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 Baba. Et les fibromes, les cancers. Nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. Ni la stérilité, ni la maladie, ni le cancer, ni le COVID. Abba est là. Abba est descendu. Il va guérir. Il va libérer la guérison. L'onction de guérison est là. Jésus, mon bien-aimé, et Rabashakarabababa, et Rabashakarabababa, et Rabababababa, et Rabashakarabababa, mets dehors, sers-toi, mon bien-aimé, mets dehors, mets dehors, et Rabashakarabababa, dehors, mon bien-aimé, Rirabashakarabababa, Rirabashakarabashaya, oh, ce soir, crie plus fort que Bartimée, crie plus fort que Bartimée. Abba, le nom qui est Abba, au-dessus de tous les noms, le nom qui libère, le nom qui sauve, le nom qui guérit.
Il est là. Tous les noms. Il est là pour ceux qui ont entendu depuis longtemps. Et nous tu ne rentreras pas avec ton opprobre. Tu ne rentreras pas avec ta honte. Que tu opères des miracles dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Il est là, le Dieu de gloire. Il est là, alléluia, le Dieu de prodiges. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Il envoie sa parole. Et la parole est guérie. Il envoie sa parole. Et la parole délivre. Et appelle ce Dieu-là. Appelle encore plus fort. Il est là, Abba. Il est là, Abba. Il est là, Abba. Il est là, Abba. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Abba va descendre aujourd'hui, alléluia. Il est là, notre Dieu. Il est là. Les chemins sont tracés. Là, il n'y avait plus de voix. Les voix sont tracées. Nous avons opéré des miracles à la mention de ton nom. C'est pourquoi nous croyons ce soir. Va toucher le pan de sa robe. Abba est ici. Abba est là. Va toucher le pan de sa robe. Il opère des miracles. Il est descendu.
Là où Dieu est, alléluia. Il a dit, alléluia. Il vient de se réparer. Oh, Rabba Shakaya Rababa. L'eau est changée en vin. Erebo Shakaya Rababa. Erebo Rababa. Riba Shakaya Rababa. Erebo Shakaya Rababa. Et mets ta foi, alléluia, en action. C'est toi, alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, notre Dieu. Notre papa est là. Notre papa est là. Regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec les yeux de la foi. Ta bénédiction. Et saisis ta bénédiction. Regarde-le avec les yeux de la foi. C'est comme un rêve. C'est comme un rêve, dit la parole. Il a déjà opéré. Il a déjà opéré. Il a dit que là où un ou deux personnes sont réunies, il est là. Il est là. Alléluia. Il est déjà en train d'opérer. Regarde avec les yeux de la foi. C'est comme un rêve. Regarde ton désert, alléluia. Ton désert se revertir. Regarde ton désert se revertir. Il a déjà opéré. Il a déjà opéré. Il a dit, ma parole ne sort pas et ne rentre pas sans avoir accompli. Oh Rabba Shakaya Rababa, ne fais pas de ton Dieu un menteur. Il a accompli. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La grâce de Dieu est descendue. Il est là. Alléluia. Eh Rabba Shakaya Rababa. Eh Rabba Shakaya Rababa. Eh toute bonne chose vient d'en haut. Toute bonne chose vient d'en haut. Eh Alléluia. Oh Rabba Shakaya Rababa. Pour toi, alléluia. Ere basha ya ra ba 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 ba
Le ciel est ouvert. Oh mon bien-aimé, le ciel des rats est ouvert. Ton ciel des rats est ouvert. Le ciel des rats est ouvert. On croit que le ciel des rats est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Croire que le ciel des rats est ouvert. Oh Rabashaka Rababa. La pluie derrière ce sang descend. La pluie derrière ce sang descend. La pluie, alléluia de Dieu. La pluie, il fait pleuvoir la pluie ce soir. Et Rabashaka Rababa. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Eh mon bien-aimé. Saisis ton miracle. Oh Rabashaka Rababa. Et Rabashaka Rababa. Que les matrices s'ouvrent. Oh Rabashaka Rababa. Que les chaînes tombent. Les chaînes du célibat tombent. Et Rababa. Les chaînes du célibat tombent. Et Rababa. La chaîne de pauvreté tombe. Les chaînes de sécheresse tombent. Et les chaînes de maladies chroniques tombent. Les cancers du cerveau, les cancers de nos vers, les cancers du utérus tombent. Les cancers de sein tombent. La guérison fraîche au chemin. La guérison fraîche au chemin. Et c'est lui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et ce soir, en ton nom, Père, les chaînes tombent, 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 en ton nom, ce soir, en ton nom, où j'ai réfléchi, quel que soit le nom du problème, quel que soit le nom, quel que soit les défis, mais ce soir, le nom de Jésus, tout genou fléchit ce soir. Ce nom que nous invoquons, le nom qui est au-dessus de tous les noms, tu as dit en mon nom. Voilà les choses qui vont s'accomplir. C'est pourquoi ce soir, en ton nom, Jésus, ce soir, les portes s'ouvrent. En ton nom ce soir, les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. En ton nom ce soir, Dieu, merci parce que nous passons à un niveau suivant, un niveau supérieur. En ton nom, Jésus, merci parce que chacun accède à son héritage. En ton nom, Jésus, ce soir, chacun accède à son héritage. L'éternel des armées là, sa parole est là, ton nom Jésus, en ton nom Jésus, ce soir, tout genou fléchit dans nos vies, tout genou cède place, en ton nom Jésus, en ton nom Jésus, ce soir, tout genou fléchit, et ce soir, Père, tout écrit gloire, tout écrit gloire, tout écrit gloire, tout écrit gloire. Tout écrit gloire, 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 dans le nom de Jésus.
train de signer les décrets. Mante kerebesa, mandorobo, ikaraba kerebesa,
Tu es victorieuse. Tu es victorieuse. Oh mon bien-aimé, déclare que je suis victorieuse. Merci pour la victoire que tu accordes à ton peuple. Merci Jésus. Merci pour ma guérison. Merci pour ma délivrance. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire. Parce que, mais alléluia, mes enfants sont passés au Père éternel. On ne m'appellera plus la délaissée. On ne m'appellera plus la ville déserte. Mais on m'appellera la désirée de l'éternel. La repentine de Dieu. Le chant de Dieu. Alléluia. Oh la machette, on m'appellera béni. On m'appellera béni. On m'appellera béni. On m'appellera béni. Donne gloire à ton nom. Pas à nous. Pas à nous. Pas à nous. Pas à un homme. Pas à un homme. Mais donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Pas à nous. Pas à nous, Seigneur. Tous genoux fléchis à la mention de ce nom. Tous genoux fléchis à la mention de ce nom. Donne gloire à ton 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 nom. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Ce soit Dieu. Merci pour la victoire. Donne gloire à ton nom. Parce que tu nous as donné les clés. Parce que tu nous as donné les clés. Parce que nous avons les clés. Nous avons le pouvoir. De pourquoi ce soit Jésus, ton nom, Dieu, nous pouvons proclamer la victoire parce que nous avons les clés, parce que nous avons les clés, nous avons le pouvoir, nous avons le mandat. C'est pourquoi ce soir, en son nom, Jésus, nous guérissons nos ennemis, nous renversons nos adversaires, en ton nom, Jésus, nous renversons toutes choses, les montagnes se déplacent, les collines se déplacent. La Bible dit, mais le vie est sans vie, le jour des reculs. À cause du nom de l'Éternel. C'est pourquoi ce soir, Dieu de gloire, on va acclamer ce Dieu qui a déjà fait.
bien-aimé, acclame. Acclame le Dieu de victoire. Acclame celui qui a déjà fait. Acclame celui qui a déjà tout accompli. Acclame celui qui t'a déjà béni. Acclame le roi des rois. Acclame avec des cris de joie. Les victorieux sont dans la salle. Alléluia. On acclame. Alléluia. On acclame. On peut le faire bien. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Vous savez, c'est notre 21e jour de jeûne et de prière. Et parfois, vous pouvez voir que on te laisse vraiment prier. Parce que ce n'est pas un temps seulement où... Mais vous savez, la prière forge ton homme intérieur. Et on ne peut pas, dans des moments intenses comme ça de prière, on ne peut pas ne pas prendre du temps réellement pour prier. Parce que sinon, ça sera seulement... Mais quand on prend le temps pour répandre notre âme devant Dieu, c'est là où les fers aiguisent les fers. Nous voulons que pendant ces 21 jours, que même des dons que Dieu a mis en toi explosent. Mais ça ne s'explose pas comme ça. C'est dans le face-à-face, dans la présence de Dieu, que ce qui était caché en toi finit par sortir. Les amis, je vous l'ai dit, que l'onction, il y a un prix à payer. L'onction ne traîne pas comme ça. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi quand on te dit prix, si tu n'as pas l'envie de prier, mieux vaut rester à la maison. Mais quand tu veux chercher Dieu, cherche-le réellement. Montre-lui que tu as soif. David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Et dit, oh, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Vous savez, c'est la soif qui va déterminer ce que Dieu va déposer en toi. C'est la soif. Et pendant ces 21 jours, je voulais vous annoncer que ça, c'est notre première semaine. La deuxième semaine, je crois que on se souvient un peu des choses. Moi, je suis en train de prier pour que vraiment, que ce que Dieu a mis en toi puisse sortir. Que tu deviennes une vase puissante. Afin que là où quelqu'un n'est pas toi, tu seras là. Vous savez, c'est ça le but même de l'Église. Ce n'est pas bon qu'on soit seulement des fréquentaires des églises. On fréquente l'église. Mais entre-temps, vous allez croiser des personnes que le pasteur ne croisera pas. Vous allez croiser des personnes que le pasteur ne croisera jamais. Mais est-ce que maintenant, vous devez préparer ces gens-là à les amener au pasteur? Oh, si le pasteur était là, le Seigneur te dira, c'est toi. Je l'ai mis sur ton chemin, afin que ce que j'ai mis en toi se manifeste. Tant comme 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'on est dans le Seigneur, si on doit rester au même niveau, l'apôtre Paul a dit, vous qui devrez être déjà des maîtres pour enseigner les autres, mais si vous restez au même niveau, les amis, le temps est arrivé qu'on aille plus loin. Et surtout, il y a des territoires. Vous savez que chaque église, Dieu le positionne dans un territoire. Il y a des territoires, tous les territoires ne sont pas pareils. Je suis en train de le dire. Il y a des pays, tu arrives, tu dis seulement croisade. Tu regardes la foule sans les supplier. Mais des territoires comme ce territoire ici, si vous ne gagnez pas la victoire dans l'esprit, si vous ne remportez pas la victoire en esprit, ce n'est pas comme dans des pays où tu tapes seulement les mains, tout le monde est là. Et ici, nous devons être de ceux qui savent enfanter dans le monde spirituel avant de voir des résultats. Même ta propre vie, tu dois être de celui qui enfante. Alors ça, ce sont des opportunités. Lève nos mains, remercions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous ne sommes pas venus ici pour passer notre temps. Mais nous sommes réellement venus mais pour répandre nos cœurs devant toi. Et Seigneur, nous laissons ton serviteur entre tes mains. Parle au travers de lui. Et reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Aidez-moi à recevoir le révérend Douglas. La parole. Alors, n'oubliez pas, les amis, que nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci.
pour ce moment merveilleux, ce moment béni, ce moment d'enfantement de tes desseins. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Et nous sommes là, Seigneur, pour que ce que tu as déposé en nous soit révélé, soit manifesté. Seigneur, puisse sortir de nous-mêmes. Alors que nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, je prie que tu nous donnes l'esprit de révélation, que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses nous communiquer ta pensée et faire de nous des véritables cas impossibles pour les forces des ténèbres. Je te donne la gloire, inspire les paroles de nos bouches, mon Dieu, mon roi, et que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, que la gloire revienne à Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous acclamons très fort le Seigneur. Merci, je vous prie de prendre place. Bonsoir à tous. Nous saluons également tous ceux qui nous suivent en ligne. Grand merci encore au Seigneur pour cette journée qu'il nous donne. Et merci beaucoup. Nous sommes tellement saignés, nourris, même en privé, en aparté, avec notre papa, le pasteur Fofi. Merci vraiment pour ce moment. Et je crois que je ne suis pas venu seulement pour apporter, mais je suis beaucoup plus venu pour recevoir. Parce que je suis vraiment en train de recevoir beaucoup de choses. Et je crois que par rapport à ce que je ressens aussi dans ma vie, c'est vraiment, je dirais, c'est comme si Dieu était en train de tracer des routes pour des grandes choses. Vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur. Amen. Alors, le sous-thème que je voudrais nous proposer ce soir s'intitule « Race des vainqueurs ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Race des vainqueurs » que je vais commencer aujourd'hui et plaise à Dieu, on terminera demain sur ce même sujet « Race des vainqueurs ». Alors prenons nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean au chapitre 5, nous allons lire le verset 4 au verset 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 au verset 5. Il est dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Il est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et hier, nous avons vu que le monde entier était sous la puissance de l'ennemi. Jean le dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît. Le monde entier est sous le contrôle, sous la puissance de l'ennemi. Et le Satan qui est l'ennemi, il est le chef, il est le prince de ce monde des ténèbres et c'est lui qui contrôle toutes les forces des ténèbres, toutes les forces du mal auxquelles nous allons être confrontés d'une manière ou d'une autre. Et pour devenir justement un cas impossible, selon ce texte, il nous fait ressortir une vérité importante. Il dit, si nous voulons vaincre le monde, si nous voulons triompher du monde, la clé ou encore le secret, c'est de naître de Dieu. Donc, il faut naître de Dieu ou encore naître de nouveau. Et Jésus avait donné cet exemple dans Jean au chapitre 3. Lorsque Nicodème, qui était un pharisien, un de chef, était venu le voir de nuit, il lui posera la question en disant, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne fait les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Lui parlait des miracles. Et Jésus lui parle de quelque chose de fondamental. Il va lui dire, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. En d'autres termes, c'est comme si Jésus va opposer ce qu'il pensait à la véritable réalité. Le problème, ce n'est pas d'abord de voir des miracles, mais le problème, c'est de naître de Dieu, naître d'en haut, naître de Dieu, devenir une race de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que les autres choses, notamment les miracles, vont également couler à flot. Alléluia. Il dit, si quelqu'un est né d'eau, si quelqu'un est né d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il ne peut être un enfant de Dieu. La naissance de Dieu ou encore la naissance d'en haut, c'est ça qui nous donne le statut ou encore l'identité de fils et de fille de Dieu.
Tu ne peux pas être né de nouveau qu'en fréquentant l'Église. Non, pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et à partir de ce moment que tu es né de Dieu, que tu es né de nouveau, et cela te donne, mis à part le statut et l'identité d'un enfant de Dieu, cela te donne deuxièmement une position supérieure. La naissance de Dieu, naître de Dieu, je dirais, nous donne une position supérieure où nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Face aux ennemis, face à l'adversité, face au monde des ténèbres, nous avons une position élevée. Alléluia. Il dit, celui qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Oh, ce mot m'a aussi interpellé. Le verbe triompher veut dire quoi? Triompher signifie littéralement remporter une victoire absolue. Donc, quand on est de Dieu, on remporte des victoires. Alléluia. Lorsqu'on est de Dieu, on triomphe. Et triompher veut dire aussi vaincre l'adversité. Or, les forces des ténèbres constituent une adversité pour nous qui sommes nés de Dieu. Donc, pour les vaincre, la clé et la solution, c'est de naître de Dieu. Et quiconque naît de Dieu triomphe du monde, triomphe des forces des ténèbres. Et il est dit aussi que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire la foi? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la foi est l'élément important pour devenir un cas impossible. Tu ne peux pas être un cas impossible pour les forces des ténèbres. Tu ne peux pas devenir un vainqueur, une race de vainqueurs, si tu n'as pas la foi. La foi, cette confiance en Dieu, cette ferme assurance des choses que Dieu a promises. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu ne crois pas Dieu, tu ne pourras pas. Il sera impossible, voire difficile d'être un cas impossible. Et quand on parle de foi, la foi c'est la structure qui soutient notre vie spirituelle. La foi, c'est le fondement. Le fondement d'un immeuble, on ne le voit pas. Mais c'est ça qui soutient l'immeuble. Vous enlevez le fondement, l'immeuble s'écroule. Vous enlevez la foi, notre vie spirituelle s'écroule. Donc la foi est l'élément fondamental. La foi, c'est ça qui nous emmène dans le monde invisible pour avoir des manifestations ou encore des démonstrations sur le plan visible. Et tout à l'heure, on a été récemment nourri au bureau où on nous parle, où le vieux nous parlait justement de la démonstration de la foi par la puissance de Dieu. Alléluia. Et on a besoin de cela. Le fondement, c'est la foi. Et en étudiant la Bible, nous comprenons qu'il existe trois sortes de foi, ou trois types de foi. Premièrement, vous avez la foi qui sauve. La foi qui sauve. Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, qui dit clairement que si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ de notre bouche, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors nous serons sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, pour avoir la foi, il faut croire en l'œuvre de la croix. Il faut croire à la mort et la résurrection de Jésus et il faut confesser cela. Amen. Lorsque tu confesses Jésus, lorsque tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu reçois Jésus, tu crois qu'il est le Seigneur, tu crois qu'il est le Sauveur, tu crois qu'il est le vainqueur des vainqueurs, le géant d'Israël, le Dieu puissant, la Bible dit que tu es sauvé. Deuxième sorte de foi, c'est la foi comme don de foi, un don spirituel.
1 Corinthiens chapitre 12, on parle du don de la foi. Parmi les 9 dons spirituels qui sont cités dans 1 Corinthiens 12, vous avez le don de foi. C'est dans la catégorie des dons de puissance. C'est le don qui va te permettre de démontrer la véracité de Dieu. Le don qui te permet de démontrer la puissance de Dieu. Le don de foi, c'est ce qui nous permet de déplacer les montagnes. Et Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de senevé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter, la chose arrive. Alléluia. Et le don de foi, c'est ce qui nous permet de soulever les puissants des ténèbres, de déguerpir les forces du mal. Et nous avons besoin de la foi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui ont la foi en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. La foi déclenche les miracles. La foi déclenche le surnaturel. C'est le domaine de l'impossibilité. Dis avec moi l'impossibilité. Oh, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais aussi, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un croit? Alors, est-ce que quelqu'un a la foi? Est-ce que quelqu'un pendant ces 21 jours a la foi? Je deviens un cas impossible pour les forces des ténèbres. Troisième sorte de foi, c'est la foi comme sainte doctrine. La sainte doctrine, la vérité absolue de Dieu. Jude verset 3. Jude verset 3. Il dit, il invite au fait Jude, l'apôtre Jude, alors qu'il voulait écrire à ses confrères au sujet des choses qui concernaient justement la vie spirituelle, il va les encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, une fois pour toutes aux saints. Cela veut dire la sainte doctrine, l'évangile. Et Paul invite Timothée en disant, combat le bon combat de la foi. Amen. Et dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons combattre le combat de la foi. Combattre pour nous maintenir dans la vérité, pour nous maintenir dans la pensée de Dieu, nous maintenir dans la sainte doctrine. Alléluia. Et cela n'est pas facile. Tellement de fausses doctrines, tellement de faux esprits, des esprits séducteurs, tellement des hérésies dans le milieu même chrétien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on lit l'histoire de l'église, déjà à l'église primitive, il y avait déjà des hérétiques. Il y avait déjà des faux prophètes. Il y avait des faux docteurs. Il y avait des gens qui troublaient la foi des autres. Il y avait Hyménée, Philète, Alexandre le Forgeron. La Bible cite tout un paquet de personnes qui en réalité étaient là pour détruire la foi des gens. Il y a des hommes mandatés par le diable qui ont pour mission de détruire votre foi. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que tu es un cas impossible pour eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une vérité importante aussi à noter au sujet de la foi, c'est que la foi, c'est ce qui nous permet d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce que Dieu demande, c'est la foi. La foi, c'est la seule chose qui impressionne Dieu. Regardez quand il a vu la foi de ce centenier romain. Il a loué cela. Quand il a vu la foi de cette femme qui, syrophénicienne, qui avait son enfant qui était possédé, elle demandait la guérison. Jésus dit non, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Parce qu'elle n'était pas juive. Mais regardez comment elle va rétorquer. Oui, maître, les chiens même mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh, cette parole m'a toujours révolutionné. Je me dis, si les miettes peuvent guérir et le pain. Non, tu ne m'as pas compris. Si avec les miettes, tu peux avoir des grandes choses avec Dieu, à combien plus forte raison le pain?
Nous ne sommes plus des gens du dehors. Il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. C'est qu'avec le pain, tu as plus que les miettes. Si les miettes peuvent guérir, si les miettes peuvent délivrer, le pain peut faire mieux que ça. Alléluia. C'est la foi qui fera de nous des vainqueurs. Il dit la victoire, 1 Jean, le texte qu'on a pris, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, c'est notre foi qui fait de nous des races ou encore une race des vainqueurs. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Face à Satan, face au monde, face à l'adversité, face au problème, face au défi, face à la maladie, face à tout genre de problème que nous pouvons rencontrer, la foi est la clé que Dieu nous donne. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, le fondement même, je dirais, ce qui fait de nous-mêmes des enfants de Dieu. Hier, on a parlé de la révélation. Mais cette révélation, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te l'approprier. La foi, c'est ce qui te fait approprier les choses de Dieu. Voilà pourquoi l'Église doit avoir la foi. Que ces trois choses demeurent, la foi, l'amour et l'espérance. Et la plus grande, c'est l'amour, bien évidemment. Mais la foi est importante. Allons-y maintenant dans le cas d'une Église. Que je voudrais juste cibler ce soir pour ressortir en fait cette race des vainqueurs, mais aussi à quoi nous sommes confrontés. Quelles sont ces forces des ténèbres auxquelles nous sommes confrontés? Hier, nous avions parlé de l'organisation du monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, ainsi de suite. Il est question donc de lire la hiérarchie donc du monde ou encore de l'organisation du royaume des ténèbres. Mais aujourd'hui, je veux toucher un autre aspect. Des forces des ténèbres qui, là, ça ne sera plus des esprits, mais ça sera des hommes. Ah oui, les forces des ténèbres sont aussi représentées par des hommes. Et on va le lire ensemble. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, au chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 11. On peut prendre jusqu'au verset 10. Apocalypse, au chapitre 2, verset 8 au verset 10. La Bible nous dit ceci. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Et voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était, qui était mort et qui est revenu à la vie. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, il souligne cela, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici le diable jetera quelques-uns en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ici, nous sommes au temps où l'apôtre Jean va être exilé à l'île de Patmos. Dieu, l'Esprit de Dieu le transporte en esprit et il lui montre des choses. C'est ça l'Apocalypse même, l'action de dévoiler. Et il va recevoir un message concernant les 7 églises locales de l'époque qui se trouvaient en Asie mineure. On nous parle de l'église d'Éphèse, Thyatire, Pergame, tout ce que vous connaissez, d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Et vous allez remarquer que 5 d'entre elles, 5 églises parmi les 7 églises d'Apocalypse, le Seigneur adresse des reproches. Il reproche des choses, certaines choses qui n'allaient pas. Comment est-ce que l'ennemi avait essayé d'infiltrer? Vous voyez, il y en avait qui avaient abandonné leur premier amour. D'autres avaient laissé Jézabel entrer. D'autres, c'était l'esprit du monde qui était entré. D'autres encore, c'était, maman qui était devenue le Dieu. Ils n'avaient même plus besoin de Dieu. Ils s'étaient refroidis complètement. Mais, à ma grande surprise, j'ai constaté qu'il y avait 2 églises que je voudrais justement souligner en parlant de la race vainqueur qui lui sont restées fidèles. Mais dans ces églises, nous remarquons la présence
présence d'une entité spirituelle, en présence d'un groupement de personnes, la présence de ce que Apocalypse 2, et demain on verra Apocalypse 3, qu'on appelle la synagogue de Satan. C'est que dans les deux textes. Donc, ça veut dire que quand on a la foi, ça veut dire que quand on a la révélation de Jésus, quand on veut plaire à Dieu, forcément, on rencontrera l'opposition venant des méchants. L'opposition venant de la synagogue de Satan. Alléluia. Il parle ici à l'église de Smyrne. Donc aujourd'hui, on va plus toucher l'aspect ou le cas de l'église de Smyrne. D'ailleurs, le mot Smyrne veut dire myrrhe. Le mot Smyrne veut dire myrrhe. La myrrhe était cette huile parfumée qu'on utilisait, que les grands, les hommes russes utilisaient. Et très souvent, on obtenait cette huile par la pression. Donc, quand tu vois le mot myrrhe, directement, je dirais indirectement, tu dois voir de l'huile qu'on va extraire, mais à partir d'une pression. À partir des pressions. Donc, lorsqu'on a la foi, Dieu permettra que nous puissions passer par des moments de pression, par des moments de tension, par des moments où tu ne comprends. Vous savez, les gens qui ont la foi, des fois, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive que Dieu n'est pas avec toi. D'ailleurs, le fait que tu ne comprennes pas ce qui t'arrive te pousse encore d'avoir encore plus foi en Dieu. Et c'est un signe que Dieu marche avec toi. Ah, donne-moi un amen fort. Alléluia. Et cette église du premier siècle avait connu beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Et ces combats, ces difficultés venaient majoritairement des gens qui étaient autour. Voire même certains qui étaient à l'intérieur. Ils étaient avec, j'en dis quoi, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de nôtre. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent être là, mais qui n'ont pas la foi, mais qui ont le foi organe. Regarde ton voisin, dis-lui, pose la question, as-tu la foi ou le foi? Connaissez le foi, c'est l'organe. Tout le monde a le foi. Je ne parle pas du foi organe, je parle de la foi qui est spirituelle. Alléluia. Tous les héros de la foi, quand vous lisez Hébreux 11, où il y a toute une liste de ceux-là qui ont été des hommes braves, et on parle de leur bravoure à cause de la foi. À cause de la foi. Mais regardez, analysez un peu leur vie, vous allez voir qu'on cite leur nom comme des héros, mais ils ont connu des problèmes. Esaïe avait été scié en deux. Ah oui. D'autres ont connu des problèmes terribles. D'autres ont été tués, enfermés dans des prisons. Mais on les cite comme des héros de la foi. Donc ça veut dire que quand j'ai la foi, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Toi qui t'as dit non, j'ai trop de problèmes, ça veut dire que Dieu n'est pas avec moi. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La foi amène aussi des problèmes. La foi va faire que tu aies aussi des problèmes. Mais c'est face à ces problèmes que Dieu veut faire de toi justement une race de vainqueurs. Alléluia. Il dit, écris à l'ange. Écrit au messager, au père de cette église, alléluia, qui avait la charge de porter ce peuple. Et Jésus-Christ se révèle à cette église comme le premier et le dernier. Vous savez, quand vous lisez l'Apocalypse, les sept églises, la révélation que Jésus-Christ apporte à chacune des églises est très très significative. C'est en rapport avec l'état de l'église, mais aussi ce que l'église est en train de traverser. Mais aujourd'hui, ce message concerne l'église en général. Amen. Donc ce message, on peut se l'approprier. Pour nous qui sommes fidèles. Amen. Et dit, il se révèle comme le premier et le dernier. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga. En d'autres termes, il veut dire, si je suis l'alpha de ta vie, parce que tu m'as donné ton cœur, parce que tu m'as fait confiance, sache-le, je serai aussi l'oméga.
Mais entre l'alpha et l'oméga, il y a tout un parcours mystérieux. Ah, mystérieux, je dirais. Il y a tout un temps sombre que tu ne connais pas. Vous savez, si Dieu nous disait tout à l'avance, beaucoup d'entre nous, on n'allait pas le suivre. Parce qu'il va te donner une facette de la prophétie, mais il te cache une autre facette où il y a des problèmes. Quand il te donne une prophétie, je te vois être à la tête. Oh, tu vas servir Dieu puissamment. Alléluia. Tu auras l'onction, tu vas bouger le monde. Amen. Mais il te cache l'endroit où tu auras des critiques. Il te cache l'endroit où on va te lapider. Tu risques de dormir dehors. Ça, il ne te dit pas. C'est, dis avec moi la face B. Mais je me redis à quelqu'un, si il est ton alpha, je peux te rassurer avec assurance, il sera également ton oméga. Ah, il a été l'alpha de Job. Le diable est venu, il a secoué la vie de Job. Il a tué les enfants de Job. Il a fait que toutes les entreprises de Job disparaissent. Il a fait que Job tombe malade. Mais il n'a pas pu tuer Job. J'aimerais dire, lorsque tu es un vainqueur, quel que soit ce que tu peux traverser, tu ne couleras pas. Et Job, parce qu'il savait qu'il avait un oméga, il a dit ceci: je sais que mon rédempteur, il est vivant, et qu'il se levera le dernier. Ah, le dernier, c'est l'oméga. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il est l'alpha, il sera aussi l'oméga. Donc ne tremble pas. Même pendant le parcours, il y a le vent, la tempête, t'inquiète, il est au contrôle, il gère, il maîtrise la situation. Il n'a pas dit tu couleras, il a dit allons à l'autre bord. Je suis venu t'annoncer, tu arriveras à l'autre bord. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu arriveras dans ton oméga. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Alléluia. Et puis il se révèle comme étant celui qui est revenu d'entre les morts, c'est-à-dire le ressuscité. Regardez au verset 9, il dit, je connais. Oh, je vais un peu m'arrêter là. Il dit, je connais, donc il sait. Des fois, on a l'impression qu'il ne sait pas. Parce que des fois, tu as envie d'une prophétie, il ne parle pas. Tu as besoin d'avoir une vision, rien. Mais il sait. Je veux dire à quelqu'un, il connaît. Ton problème, il connaît. Même quand il ne bouge pas. Il y a des fois des personnes, moi-même ça m'arrive, hein, tu vas dans une réunion, tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui parle-moi, j'ai besoin d'une prophétie. Il ne te parle seulement par la parole, pas de prophétie. Mais j'aimerais te dire, il sait. Dis avec moi, il connaît ma situation. Non, dis avec moi, il connaît mon problème. Il dit, je sais, je connais. Première chose qu'il connaît, ta tribulation. Arrêtons-nous un peu là. On parle de la foi, on parle de race de vainqueurs, mais qu'est-ce qu'il voit ici? Qu'est-ce qu'il connaît qui concerne l'église de Smyrne? Tribulation. Ah bon? Il est possible d'avoir la foi et de vivre les tribulations? Oui. D'ailleurs, Jésus l'a prophétisé. Si tu ne le savais pas, je veux te donner cette prophétie de Jésus aujourd'hui. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus n'a pas dit on va vous acclamer partout. Jésus n'a pas dit tu auras une vie en rose. L'homme de Dieu, c'est du sucre et du piment. Le sucre, c'est la bénédiction. Le piment, c'est des tribulations. Il faut s'habituer avec ça. Il dit, je vous bénirai, je vous donnerai tout, mais avec les persécutions. Bien-aimés, les tribulations, ce sont des persécutions. Les tribulations, c'est toutes les souffrances qui seront liées à ta foi. Tu ne peux pas avoir et manifester une foi si ta foi n'est pas éprouvée. Si ta foi n'est pas passée par le feu. Non, ça ce n'est pas la foi. La véritable foi est toujours éprouvée. La véritable foi sera toujours éprouvée. Pour que tu prennes courage. Paul dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Ah, ça c'est un message que les chrétiens doivent entendre. Ah oui, la persécution fait partie de notre lot. Je t'annonce que tu es béni. Je t'annonce qu'il va t'amener loin. Mais je t'annonce aussi, dans cette bénédiction, il y a aussi une case qu'on appelle persécution. Tu dois être préparé à ça.
Et c'est le lot des hommes de foi. C'est le lot des femmes de foi. Je vois quelqu'un ici qui va commencer à déguerpir le monde des ténèbres parce qu'il a compris que la persécution ne va pas l'empêcher. Ah non. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans la persécution, dans les souffrances, que ta foi doit être victorieuse. Ta foi doit se démontrer. Ta foi doit se prouver. Ta foi te donne le courage. Et le courage, c'est avancer même quand tu trembles. Ne croyez pas que les gens courageux n'ont pas peur. Ah, moi, il m'est arrivé d'avoir très peur, mais je dis aux gens, calmez-vous, Jésus maîtrise la situation. Mais moi-même à l'intérieur, oh Jésus, oh Jésus. Mais le problème, c'est que j'avance. Et comme j'avance, ça marche. Je suis venu dire à quelqu'un, ça marchera. Et continue à avancer, ça marchera. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est avancer malgré que tu trembles. Amen. Parce que la foi fait que des fois tu te poses des questions. Des fois tu es là, c'est normal. Même le père de la foi, Abraham, il est passé par des moments comme ça, des zones troubles. Mais il a gardé la Bible, espérant contre toute espérance. Il crut. Même là où il n'y a pas besoin d'espérer, tu dois espérer et croire. Amen. Deuxième chose, il dit, je connais ta pauvreté. Je connais ta pauvreté. Et il met entre parenthèses, bien que tu sois riche. Oh, j'ai essayé de me dire, parce que cette parole m'avait un peu troublé. Il dit, mais comment, donc cette église était pauvre, sur le plan financier. Cette église n'avait pas, je dirais, des moyens aussi, sur le plan matériel et financier. Non, l'histoire nous montre que ces chrétiens, ils avaient des moyens. Mais ils se sont dépouillés pour l'avancement du royaume. Leur foi ne s'est pas limitée dans les paroles. Mais leur foi s'est démontrée en se dépouillant de leur argent, de leur bien, pour que l'évangile avance, pour que la bonne nouvelle soit propagée. Or, à chaque fois que tu te donnes ou que tu donnes pour la propagation de l'évangile, tu te dépouilles. Et quand l'évangile progresse, le monde des ténèbres aussi est fâché. Oh, le monde des ténèbres ne te laissera pas tranquille alors que tu es en train de faire avancer le royaume de Dieu. Ces gens se sont dépouillés. Mais à cause de leur dépouillement, Dieu dit, vous êtes riche. Je suis venu dire à quelqu'un, toi qui te donnes pour Dieu, tu es riche pour Dieu. Alléluia. Toi qui contribues pour l'avancement du royaume, pour le progrès de l'évangile, Dieu t'appelle un homme riche. Même si tu as donné, quand tu donnes, il ne te reste peut-être plus rien. Mais devant Dieu, tu es riche. Troisième chose, il dit, je connais les calomnies. N'est-ce pas? Il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Troisième chose que Jésus connaît ici, les calomnies. Les calomnies, ce sont des fausses accusations. Les calomnies, ce sont des mensonges qui visent ou encore qui attaquent votre réputation. Quand on vous calomnie, ça veut dire qu'on monte une histoire de toute pièce et on vous le colle, on vous la colle. On raconte tout et n'importe quoi sur vous. Et ça vous blesse, ça vous fait mal. Et le but de la calomnie, c'est de vous freiner, c'est de vous blesser, c'est vous stopper. Mais quand on a la foi, on est instoppable, instoppable. Alléluia. Tu ne dois jamais t'arrêter. Il veut toucher, le diable se sera à toucher ton honneur, à toucher ta réputation, à te discréditer. Je ne parle pas quand tu as mal fait. Quand tu as mal fait, bon, mais je parle de, tu es droit avec Dieu, tu cherches d'être honnête avec le Seigneur, tu as le cœur pour Dieu, mais on racontera des choses sur vous. Bien-aimés, ne soyez pas découragés. Ah oui, ça c'est la stratégie de l'ennemi. D'ailleurs, le diable, la Bible l'appelle le calomniateur. Il est le calomniateur, c'est un accusateur. Et il a des alliés. Il a des hommes, je ne parle pas des démons, mais je parle des hommes qui sont les alliés du diable, qui constituent la synagogue de Satan. Synagogue. Le mot synagogue, dans le grec, veut dire littéralement assemblée ou encore rassemblement. Donc le diable a aussi son église. Il a aussi son assemblée. Des hommes méchants. Des hommes mauvais. Ils se disent juifs.
Mais ils ne le sont pas. Mais ce sont des menteurs. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que ceux de la synagogue de Satan se disent juifs? Le mot juif ici a une connotation spirituelle. Ce n'est pas juif dans la peau. C'est juif dans une dimension spirituelle que nous pouvons voir dans Romains chapitre 2. Prenez rapidement avec moi Romains chapitre 2, verset 28 au verset 29. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Romains 2, 28 à 29. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, un véritable juif, en réalité, c'est quelqu'un qui est converti. C'est quelqu'un dont le cœur est changé. Le cœur est transformé. Ce n'est pas en apparence. Mais ces gens se disent juifs. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec une apparence de la piété. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia! Ce sont des faux frères. Galates 2, verset 4, la Bible les appelle, Paul les appelle les faux frères. Bien-aimés, il existe des faux frères. Il existe des fausses sœurs. Il existe des faux chantres. Il existe des faux serviteurs de Dieu. Il existe des faux. Ça existe. Et qui se glisse, Paul dit, il se glisse secrètement. Quand il rentre, tu ne t'aperçois même pas. Mais il est déjà là. Et il veut travailler, nuire, détruire, ronger comme la gangrène, mais de l'intérieur. La synagogue de Satan, c'est la force des ténèbres auquel on a à résister. Oui, dans ces temps qui sont les derniers. Parce que le combat a changé de forme. Le diable ne persécute pas seulement, mais il envoie aussi des séducteurs à l'intérieur avec des paroles mielleuses, mais des intentions maléfiques. Alléluia. Regardez quelques caractéristiques de la synagogue de Satan. Tout le monde me suit, hein? Gloire au Seigneur. Je vais aller vite. Premièrement, la synagogue de Satan, ce sont des méchants. Toutes les personnes qui sont méchantes, qui n'hésitent pas ou qui n'hésiteront pas à vous faire intentionnellement du mal. Je précise, intentionnellement du mal. Soit par leur attitude, soit par leurs paroles, soit par leurs actes. Les méchants existent. Deuxièmement, ces gens ont des agendas cachés. Ils ont des programmes préétablis. Ils guettent le moment opportun. Pam, ça cogne. Et quand ça cogne, aïe, que ça fait mal. Tu as déjà eu des amis comme ça, non? Tu as déjà connu des collègues comme ça, non? Ah, lui, il me fait ça. Oui. Synagogue de Satan. On adorait Dieu ensemble. Oui. Synagogue de Satan. On prêchait ensemble. Oui, synagogue de Satan. On faisait des affaires ensemble. Oui, synagogue de Satan. Deuxièmement, ce sont des moqueurs. La synagogue de Satan, ce sont des moqueurs qui poussent les gens à la révolte et à l'infidélité. Ils vont pousser les gens à la révolte et à l'infidélité. Les gens de la synagogue de Satan, c'est des gens qui aiment trop critiquer. C'est des personnes qui aiment trop parler derrière. Ils critiquent trop, mais sans apporter de solution. Quelquefois, il y a des bonnes critiques, mais des critiques constructives. Je constate ça, voici la solution que j'apporte. Mais toi, tu ne fais que constater. Dans un mauvais sens. Dans le sens de décourager les gens. Non! Parce que le diable, on l'a vu hier, il détruit, il nuit. Dieu bâtit, lui, il détruit. Tout ce qui a la sémence de la destruction, c'est du diable. Parce que Dieu, même quand il détruit, il bâtit. Non, tu n'as pas compris. Il dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations pour arracher, ruiner, abattre, détruire, mais ensuite pour planter et bâtir. Dieu détruira toujours les mauvais fondements pour bâtir sur le fondement éternel un bon fondement. Dieu était un bâtisseur, Satan était un destructeur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui on va prier. Les synagogues de Satan, ils auront chaud.
Oh, tu n'as pas entendu, j'ai dit, ils auront chaud. Dieu dit dans Hébreux, dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, je prie que tu sois cet arbre-là. Tu dois démasquer la synagogue de Satan et tu dois les chasser au nom de Jésus. Oh oui, je dis tu vas les chasser. Et Paul dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Il faut les chasser. Ah oui, c'est de livrer au milieu du blé. Il sème la zizanie. Troisièmement, la synagogue de Satan, c'est les gens qui ont des mauvais cœurs. Des gens qui ont des mauvais cœurs et des mauvaises pensées. Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme, quand on parle de l'homme ici, c'est l'homme irrégénéré, un homme sans Dieu, un homme qui a le cœur de pierre. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? La synagogue de Satan, c'est des gens qui viennent à l'église, mais qui ont un cœur dur. Ils ont un cœur rempli de haine, rempli de colère et de rancune. Ils ont des cœurs remplis de jalousie et d'envie. Quand ils te voient avancer, oh, il aimerait dire, j'aimerais bien être à ta place. Bien aimé, il ne faut jamais vouloir être à la place de quelqu'un. Non, parce qu'on n'a pas tous la même destinée. Alléluia! Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Inspire-toi, mais ne prends pas sa place. Tu regardes la femme de toi, oh, j'aimerais bien qu'elle soit ma femme. Oh! J'aimerais bien qu'elle soit mon mari. Oh! Il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'homme à Montréal. C'est moi le mari d'autrui. Est-ce que tu me suis, non? Ah, non, n'envie pas. L'envie, ça montre que quelque chose de mal est caché. Amen. Et quand on a l'envie comme ça, quand on a un mauvais cœur, bien aimé, faire du mal, c'est un petit jeu. J'ai vu des gens tellement, ils sont capables de vous arracher des choses alors que vous pleurez et ils rigolent. Ça, c'est faut être du diable. La Bible dit, la règle d'or, ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aux autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est la règle d'or. Et j'ai analysé, et dans la Bible, et dans la vie quotidienne, que si tu ne respectes pas cet or, cette règle-là, ce que tu fais aux gens, que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, on te le fera. Dieu est un Dieu juste. Regarde ton voisin, dis-lui, fais-moi du bien, fais-moi du bien. Non, écoute, regarde bien, dis, fais-moi du bien. Faisons-nous du bien ensemble. Alléluia. C'est des gens qui sont remplis d'égoïsme et d'orgueil. Des personnes qui recherchent leurs propres intérêts. Ils ne voient pas l'intérêt de Christ. Encore moins l'intérêt des autres. S'ils peuvent se remplir le ventre, tant mieux pour eux et tant pis pour vous. Ils n'ont pas de cœur. Quatrième description caractéristique de la synagogue de Satan, c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Ah, je vais paraphraser. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces derniers jours, église. Et la Bible dit que c'est des temps difficiles. Et quand j'ai analysé le contexte, il ne lit pas, il n'assimile pas les temps difficiles aux événements. Mais il assimile le temps difficile au mauvais cœur des hommes. Oh, ça m'a choqué. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois des catastrophes, tu dis, oh là là, c'est l'apocalypse. Quand tu vois le coronavirus, aïe, 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 on arrive à la fin de temps. Mais bien aimé, il y a pire que ça. On voit le mauvais cœur tous les jours, mais on ne se rend pas compte que c'est la fin de temps. Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront. Et dans le contexte, il ne parle pas aux païens. Dans le contexte ici, il parle des chrétiens, des gens qui sont à l'église. Il dit, sache que les hommes seront égoïstes. La synagogue de Satan, ce sont des égoïstes. Amis de l'argent, ils aiment l'argent, la cupidité. Hautains, très orgueilleux, tu ne peux pas leur parler. Ingrats, pas de reconnaissance, pas de gratitude. Tu leur fais du bien, ils ne te disent même pas merci. Ils s'en vont comme si je n'avais rien fait. C'est le temps dans lequel nous sommes. Tous ces gens que tu vois, c'est la synagogue de Satan. Irréligieux, des gens qui méprisent le sacré, qui n'ont aucun égard pour le sacré. C'est des gens profanes comme Ésaü. Il dit,
Les hommes seront insensibles. Ils ne sont plus sensibles au Saint-Esprit. Mais ils ne sont plus non plus sensibles à la douleur des autres. Il y a des gens qui n'ont plus de cœur. Tu te demandes si il a un cœur ou pas. Bien-aimé, la synagogue de Satan. Il dit, ce sont des hommes déloyaux. Une des caractéristiques, c'est la déloyauté. Et la déloyauté, c'est la caractéristique. En fait, c'est le fait de briser la confiance. Vous avez fait confiance à quelqu'un. Vous savez, indépendamment du niveau de confiance, lorsque vous êtes déçu, ça fait très mal. Tu t'es confié. Tu as donné ton cœur. Mais la personne n'a pas été fidèle. Il ne t'a pas renvoyé l'ascenseur. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Et beaucoup sont dans la déloyauté. Ils brisent la confiance. Cruel, sans cœur. Ennemi de gens de bien. Des gens qui vont vous haïr sans cause. Tu l'as jamais vu. Tu ne le connais pas. Mais la personne traîne ton nom partout. Dans tout Montréal, on sait que toi, tu n'es pas bien. On sait que toi, tu es mauvais. Toi, tu es méchant. Mais tu ne l'as jamais vu. Il y a des gens comme ça. Tu apprends. Moi, les gens viennent me dire, mais tel te critique. Ah, mais on ne se connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est la caractéristique. Ce sont les forces du mal. Oui. Et si tu n'as pas la foi, tu vas te dire quoi? Ben, ça ne sert à rien, j'abandonne. C'est ça le but. Parce qu'il veut que ta foi meure. Le diable n'a peur d'une chose, c'est que ta foi meure. Non, il peut t'avoir. Vous savez, il a réussi à prendre tout de Job, mais n'a pas tué la foi de Job. Même la femme de Job a dit, écoute, tu continues à rester fidèle à ton Dieu. Ah, mais mon Dieu, Dieu meurt. Il dit, non, tu agis en forme insensée. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais regardez la fin de la vie de Job. Il dit, oh non, 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 je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à ta volonté. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Job, il a été attaqué, mais on n'a pas tué sa foi. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, le diable peut menacer, il peut secouer, mais qu'il ne touche pas ta foi. Alléluia. Alléluia. Les gens seront traîtres, comme Judas. Ils vont vous trahir, enflés d'orgueil. Les gens qui sont imbus d'eux-mêmes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. En d'autres termes, ce sont des loups déguisés en brebis, des loups déguisés en agneaux, qui ont une apparence de sainteté, mais qui réunissent ceux qui ont fait la force. Je finis en disant, ces gens-là vont te faire la guerre. Dans Jérémie, il a dit, dans Jérémie 1, il dit, ils te feront la guerre. Ils, ce n'est pas les démons là, c'est des hommes. Les forces des ténèbres. Ils te feront la guerre, toi qui as la foi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils ne te vaincront pas. Et il finit en disant, ne crains pas. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur, ne tremble pas. Et ne sois pas rempli d'épouvante. Alléluia. La foi va te permettre de te muscler, de devenir plus fort, plus endurant. Parce que les souffrances de la foi que tu vis aujourd'hui, c'est ça qui te qualifie pour la gloire. Alléluia. Est-ce que l'église est là ce soir? J'ai dit, les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. Et qu'est-ce qu'il propose comme gloire? Il dit, tu auras la couronne de vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la couronne est réservée aux vainqueurs. On ne donne pas la couronne aux faiblards. On donne la couronne à ceux qui ont remporté la victoire. Et par ta foi, tu es soumis aux souffrances, mais ne t'inquiète pas, persévère. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je dis, tu vas sauver ton âme, tu vas sauver l'âme de ta famille, tu vas sauver l'âme de ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons prier juste une minute? Tenons-nous debout ensemble une minute. Alléluia. Je voudrais qu'ensemble nous puissions prier. Prier pour que Dieu puisse nous donner la foi. Alléluia. Une foi ferme, une foi bâtie. Et alléluia. Comme élève ta voix avec moi. Éternel Dieu, je te rends grâce. Je te bénis. Car ta volonté est que nous soyons une race de vainqueurs. Pas une race de hommes et de femmes, Seigneur, qui sont, oh Dieu, malmenés. Mais une race de vainqueurs. Nous voulons, Seigneur, remporter la victoire. Au nom de Jésus, quelles que soient les souffrances, nous tiendrons fermes. La souffrance nous amène à la gloire. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Nous allons passer aux offrandes. Rapidement, apportez-nous les panneaux d'offrande. Béni soit le nom du Seigneur. Qui a été béni ce soir? Voyez-vous que ton temps de prière t'a aiguisé avec la parole. Maintenant, en sortant d'ici, je sais que tu deviens encore un cas impossible pour les forces de l'enfer. Alors, mon ami, tu as reçu l'équipement qu'il te faut pour prier avec. Lève-nous tous ensemble pour les offrandes. Père Céleste, nous voulons que tu puisses s'occuper de chaque personne qui a pris la décision pendant ces 21 jours d'apporter constamment une semence. Et cette personne doit s'attendre à la moisson au nom puissant de Jésus. Amen. On vient déposer notre offrande et puis on clôture. Alléluia. Merci. Demain, nous aurons plus le temps parce que demain, c'est le week-end. Alors demain, c'est le début du week-end. Nous donnerons plus du temps. Et le samedi, à 8h du matin, le pasteur Douglas va parler. Et puis le dimanche, il termine le service avant qu'il prenne son avion. Béni soit le nom du Seigneur. On s'élève tous ensemble. Hallelujah. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci pour ces 21 jours. Seigneur, merci pour chaque parole que tu déposes dans nos vies. Seigneur, merci parce que ça tombe sur la bonne terre. Et quand une semence tombe sur la bonne terre, ça finit par produire. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que tu nous as parlé. Maintenant, accompagne chacun de nous et tu nous donnes encore la force de chercher ta face par le jeûne dans la journée de demain. Seigneur, fortifie chaque personne. Donne l'énergie, donne la force à ceux qui cherchent ta face. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je disais amen. À demain, à 18h, on est là pour l'intercession. Et je vous l'ai dit que quand on vient, ne passez pas tout ton temps à parler, mais mets-toi dans un coin quelque part, parce que ce temps, c'est un temps qui est en train de te préparer pour de grandes choses. Vous qui êtes à la maison, vous êtes en train de donner votre semence. Vous pouvez envoyer par PayPal, par Virement, Interact, et que Dieu vous voit. Et à demain. Merci. Invitez encore du monde demain. Merci. Bon retour.